Le cinéma, c'est sa passion. La trentaine révolue, Kerno Souleymane Diallo est un jeune réalisateur guinéen qui a choisi de trouver son Eldorado dans son propre pays, la Guinée. Cette passion d'une Afrique pleine de potentiel constitue sa principale source d'inspiration, une inspiration qu'il tente de partager avec les jeunes Africains. L'espoir n'est pas ailleurs. L'espoir n'est ni aux États-Unis, l'espoir n'est ni en France, l'espoir n'est ni en Angleterre, ni au Sénégal. L'espoir se trouve en moi. C'est à moi de le cultiver. C'est à moi de rendre possible mes rêves là où je suis. Ce n'est pas forcément que je dois aller ailleurs pour que mes rêves se réalisent. L'un des films de Kerno Souleymane Diallo qui a fait le tour du monde est celui intitulé « Voyage vers l'espoir ». Ce film documentaire parle de l'aventure d'un jeune à la recherche d'une terre meilleure, un espoir qu'il finit par trouver sur son propre continent. Un regard sur la migration et un appel à la transformation de l'Afrique. Moi j'ai essayé de jouer quel est le lien qui fait que des Guinéens partent souvent à l'extérieur pour chercher du mieux vivre. Et j'ai essayé de faire le lien entre la situation politique du pays et la situation actuelle des Guinéens. Et c'est à nos gouvernements de faire en sorte qu'il y ait ce genre de choses ici pour que les gens arrêtent de fuir. Et c'est aussi aux familles d'arrêter de vendre leur terrain, de donner des sous à leurs fils. Kerno Souleymane Diallo est diplômé de l'Institut supérieur des arts de Guinée, ISAG. Il décide ensuite de se former en master au Sénégal avant de rentrer dans son pays, la Guinée. Sa vision de la Guinée et de l'Afrique est que l'avenir pour les jeunes se trouve ici et nulle part ailleurs.